Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies, le tirage du jeudi 19 mai 2022. Alors c'est une guidance, c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle. Faites preuve de discernement, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Alors, jeudi 19 mai 2022. Alors, j'ai un avion qui passe, vous l'entendez certainement. Alors, jeudi 19, 9 et 1, 10. 10, c'est le 1. Le 1, c'est le commencement, c'est la réussite totale en tout. On est vraiment là dans le nouveau départ. Vous pouvez avoir confiance en votre projet. C'est une évidence en 1. En professionnel, ben, ça peut dire on peut recevoir des bonnes nouvelles. On peut avoir un contrat, on peut avoir une offre d'emploi, on peut avoir des nouvelles perspectives qui nous annoncent des choses agréables. Ça peut concerner aussi un tout autre domaine hein, que ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Hein. Vous pouvez avoir des nouvelles responsabilités, un grade, une augmentation, voilà, en un, tout est possible. En sentimental, par contre, on vous dit qu'il est temps de faire table rase du passé. Hein? Il faut s'engager dans une nouvelle relation. Il faut s'engager dans la relation, là. En couple aussi, on dit éventuellement qu'il est temps de mettre en place des nouveaux projets. Il faut avancer. Voilà ce qu'on peut dire en chiffre 1, en numérologie, qui reste également général. Alors, les amis, jeudi 19 mai 2022, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voyons voir un petit peu à la coupe. Alors, hop, à la coupe. Waouh, qu'est-ce que je venais de dire? Je venais de dire qu'on s'engage, il est temps de mettre en place des nouveaux projets. On peut faire une belle rencontre, il est temps aussi de s'engager dans la relation. Il y a de l'amour qui est là et on va devoir discuter, s'engager, faire des nouveaux projets. J'adore quand les cartes me donnent raison. Alors, voyons voir. Allez, hop. Pour ce jeudi 19 mai. Alors. Les amis sont là. Il y a une grande victoire avec vos amis ou sur vos amis. Ah, j'ai plutôt envie de dire qu'il y a une grande victoire sur la trahison éventuelle de vos amis. Vous avez une... Alors, peut-être, hein, je dis bien. Vous allez pouvoir prendre, faire une nouvelle solution. Il y a une belle protection là. Hein. Est-ce que certaines personnes n'avaient pas des soucis avec des amis, se sont trouvées trahies avec des amis? Vous avez la victoire, en tout cas, sur eux, sur ce problème. Vous avez de toute façon la victoire sur de la trahison qu'on a pu vous faire. Hein. Vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction. Vous êtes protégé. Il y a une belle protection. Vous allez effectivement prendre une nouvelle direction qui peut être partir dans un autre notre département, une autre ville, une autre région, voire à l'étranger d'ailleurs. Hein. Vous allez prendre de la hauteur sur cette situation. Il y a certaines personnes autour de vous, peut-être que ce sont vos amis qui vont prendre une nouvelle direction, une nouvelle orientation. Hein. Peut-être avez-vous été trahi. Bon, on va recouvrir. Et tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est vous avez la victoire sur une trahison qu'on a pu vous faire, qu'elle soit amicale d'ailleurs, ou autre. Alors... qui fait que vous allez pouvoir voir la chose, la situation autrement. Alors oui, il y a quelque chose qui prend fin, ben, c'est peut-être l'amitié qui prend fin. C'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. L'amitié prend fin, vous avez le pas dessus, vous avez la victoire sur quelque chose de nouveau qui démarre. En tout cas, il y a quelque chose qui avait bien, il y a bien eu de la trahison, hein, et ça peut être de la trahison qui touchait également votre vie sentimentale, ou bien de la trahison qui vous a beaucoup émotionné. Sexualité, c'est pas forcément que les cracracs, que le couple, que les sentiments. Ça peut être également quelque chose qui vous a fortement émotionné, fortement. Vous avez subi un gros choc en fait par rapport à éventuellement cette trahison d'amitié. On voit aussi que du coup vous démarrez quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on a essayé, vos amis qui n'étaient pas d'accord, par exemple,
j'ai envie de dire. Si vous avez venez de rencontrer quelqu'un, par exemple, vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, et ben ils vous ont peut-être trahi, vos amis, concernant cette situation également, ou quels que soient les projets d'ailleurs. Hein. Il y a bien le retour de quelque chose, le retour d'une situation. Alors, pour certaines personnes, ça peut être le retour d'une personne qui expliquerait, là, on est dans le sentimental. Belle protection. Hop, et on se projette. Alors, pour certains amis, pour certaines personnes, vous avez bien les amis qui vous ont trahi. Vous avez la victoire dessus. Vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau qui vous a fortement peiné quand même et qui vous a fichu un sacré coup émotionnellement. Hein. Vous prenez un nouveau chemin, une nouvelle direction, vous passez à autre chose parce qu'il y a eu ce beau retour de situation qui vous permet non seulement d'être protégé, mais en plus de voir autre chose, de voir enfin quelque chose de nouveau, de pouvoir respirer peut-être ailleurs, dans une autre ville, un autre département, prendre de la hauteur par rapport à cette situation et vous vous projetez. Enfin, pour d'autres personnes, les amis, ça prend fin parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous avez la victoire dessus, il y a beaucoup de sentiments, mais on vous a trahi. Ils vous ont essayé de vous trahir par rapport peut-être que c'est le retour de quelqu'un qui est revenu et ça n'est pas passé. Vous êtes prenez une nouvelle direction car vous êtes de toute façon protégé. Il y a une belle ouverture, vous allez pouvoir voir les choses, pouvoir aller ailleurs, peut-être même déménager, vous vous projetez dans vos projets. Pour d'autres personnes, il peut y avoir... le retour d'un enfant également qui vous permet de vous projeter aussi. Il y a une belle protection avec cet enfant d'ailleurs. Hein. Et vous allez pouvoir vous projeter, faire des projets. Pour d'autres personnes, on peut voir aussi qu'il y a une trahison amicale avec peut-être, il y a peut-être une grossesse, mais une grossesse qui n'était peut-être pas voulue. Voilà, simplement par rapport à... oui, c'est ça, mais écoutez, en attendant, la grossesse est bel et bien là. Donc, il va y avoir eu un retour de situation qui vous permet de voir les choses autrement, sans doute. Mais de toute façon, vous êtes protégé. Hein, et vous allez pouvoir vous projeter. Voilà, beaucoup d'infos pour cette journée du jeudi 19. N'oubliez pas la coupe aussi, où on voyait la discussion. Hein, il y avait du sentimental, il y avait de l'amour. Peut-être que certains, on essaye de vous trahir au niveau sentimental aussi. Voyez comment ça vous parle. Bien. Et bien, après tout ça, nous allons regarder ce que Monsieur Belline nous dit. Alors, regardez. Quoi qu'il en soit, l'amour est là, les amis, pour demain, en tout cas, émotivement, il y a quelque chose qui va bien vous... voilà, et on signe, c'est resté, c'est maintenu, l'amour, et on signe. Waouh, joli. Alors, Monsieur Belline, s'il vous plaît, pour nos amis qui regarderont cette vidéo, pour le jeudi 19 mai 2022, 19 mai 2022, jeudi 19. 2022. On démarre quelque chose, ou bien il y a bien une grossesse pour certaines personnes. Hein. C'est un beau cadeau, quand même. C'est un très beau cadeau. Il y a une belle réussite autour de ça. Alors, pour certaines personnes, il y a... enfin, vous avez peut-être découvert quelque chose où... dans le domaine du travail, peut-être, certaines personnes. Il y a quelque chose qui est perçu comme un cadeau. Vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Il y a une belle réussite, d'ailleurs. Hein, une très jolie réussite. Alors, il y a des discussions qui peuvent être un peu animées, vives. Mais ça va prendre fin et il y a un départ. On va recouvrir tout ça. Pour certaines personnes, des discussions un peu vives avec quelque chose qui va prendre fin. Ou bien on va couper court hein, et on va partir. On va tourner le dos, on va arrêter net les discussions. Les discussions vives, pourquoi? C'est en famille. Ça peut concerner le couple. Il peut y avoir des conflits dans un couple ou des conflits sentimentaux, peut-être en rapport avec cette fameuse grossesse, ou bien pour d'autres par rapport à ses projets. Il y a le départ, là, il y a un changement. Oui. Alors, pour certaines personnes, ça concerne, il y a bien familialement des discussions
un petit peu vif peut-être, hein, dans le couple ou dans, en tout cas relationnellement, qui concerne un départ, un déménagement, un voyage, un changement. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, ça peut être aussi pour certaines personnes, on l'a vu tout à l'heure, ça ne parlera pas à tout le monde, une grossesse peut-être pas voulue, évidemment, discussion un petit peu vive dans le couple par rapport à ce gros changement. Voyez comment ça résonne en vous. Voilà. Alors, un petit message pour cultiver la joie de vivre, une petite affirmation. J'ai envie de dire, je dis toujours que c'est des affirmations positives que je découvre avec vous. Je néglige ma mauvaise humeur. J'adore. La placer en dehors de soi, la regarder, la considérer comme un objet. C'est ainsi que bientôt, elle nous deviendra étrangère. Car ce n'est qu'une humeur. Et comme telle, elle est essentiellement passagère, éphémère. La mettre en pratique avec vous. Je néglige ma mauvaise humeur. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu, va vous parler. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Merci en tout cas pour vos j'aime qui font grandir la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à nous rejoindre, à partager, à activer la petite cloche pour ne rien louper. À faire connaître ma chaîne tout simplement autour de vous. Merci, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.